Yo les gars, c'est Nabets, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Into the Pit. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour la partie 3 de notre aventure sur Five Nights at Freddy's Into the Pit. Merci encore à vous sur le serveur Discord, à Spartan et à Funtime de m'avoir aidé pour le fameux tournevis de ce jeu les gars. Enfin, et donc cette fois-ci les gars, on va pouvoir donc trouver ce tournevis et avancer dans l'histoire. Parce que je vous rappelle que dans la dernière vidéo, enfin dans la première vidéo, bien sûr, on avait exploré le jeu, on avait découvert le jeu. Dans la seconde, on avait fait la fin live ending. La live ending, c'est-à-dire qu'on sortait du restaurant sans chercher papa et puis hop, on se barre. D'ailleurs, cette fin-là, du coup, on ne s'y attendait pas du tout. Enfin, franchement, moi, je ne m'y attendais pas du tout. Donc voilà, donc, et les gars, aujourd'hui, on va essayer de terminer, enfin, de faire une bonne grosse partie du jeu. Donc je pense qu'on est parti pour une grosse vidéo de 30 à 40 minutes. Et donc, sur ce, les gars, c'est parti. On va remettre en effrayant que oui, je démarre une nouvelle partie. Bon, je vais passer les cinématiques, bien sûr. Ah ouais, d'accord. Oh, c'est pas vrai, je suis sorti avec la corde. Incroyable. Oh, trop bien, c'est tellement plus rapide comme ça aussi. Ok, c'est parti, go pizzeria. Rends-toi à la piscine à boules. C'est ce que je compte faire. Allez, let's go. Bonsoir, Jeff. Et donc là, du coup, il y a techniquement l'enfant qui pleure, qui est dans le costume. Aide-moi, aide-moi, ouais, voilà. Tournevis. Et donc, pour ça, il faut que je retourne. Alors, attendez, si je ne dis pas de bêtises, il faut que j'aille derrière, là, voilà. Voilà, fusible, portefeuille de papa, boîte à fusible qui ne nous sert à rien pour le moment. Et donc, là, c'est fermé. Et donc, là, cette fois-ci, il faut que je trouve la clé. Et tout simplement, ce que j'ai à faire, c'est de retourner dans la piscine à boules. Retourner voir Jeff de l'autre côté, donc dans le monde réel, en fait. Le présent, que bon bah là, je le rappelle, là c'est le présent et avant c'était le passé. Je retourne voir Jeff, parfait. Donc là je... Non, je m'en fous du menu. Ok Jeff, Jeff, est-ce que tu as une clé pour aller au sous-sol? D'abord la piscine à boules, puis le sous-sol, tu t'ennuies gamin? Oui, j'ai juste envie d'explorer. Eh bien faisons un marché juste entre nous, je n'ai pas payé les ordures et j'ai oublié de laisser un sac au moulin plus tôt. Emmène cette échelle là-bas et je te donnerai la clé à ton retour. Oh mais prends cette lampe torche et il fait assez sombre là-bas. Merci, mais il y a beaucoup de batterie. Mais il n'y a pas beaucoup de batterie. Fouille les ordures si tu arrives à court de batterie. Il y a sûrement plein de trucs intéressants là-bas. Burk. Yeah. Ok, remplacé. Parfait. Stylé. Ça marche. Donc là je prends l'ordure. Et là voilà, il faut que je parte dehors. Et cette fois-ci, il faut donc que j'aille au moulin. Très bien. Le moulin, il est là, le moulin. Le moulin, nuit 1. Pile, ok, bah, très bien, j'ai gagné une pile. Et voilà, sac de déchets, c'est posé. Matrice à casse-tête, ok. À casse-tête. Le moulin a fermé il y a 3 ans, presque tout le reste de la ville a fermé depuis. Oh, d'accord. C'est la déchetterie, quoi, en gros. Piège à rat. Burke, assez certain que cette poubelle est restée là depuis la fermeture. Ok. Oh, il y avait le ballon de Trash and the Gang dedans. Putain. Ah, c'est cool en tout cas. On avance. On avance. Ça, c'est bien ça. Allez, let's go. Jeff, c'est bon. Merci, gamin. Tu as sauvé mon don en compote. Voilà la clé comme promis. Merci, Jeff. Merci beaucoup. Et donc, désormais, je retourne dans le passé. Je retourne dans le passé. Je retourne dans la piscine à boules. Youpi! Et donc là, voilà, let's go. Voilà, j'y retourne. Je retourne derrière l'estrade, donc. Et maintenant, j'ouvre. Let's go. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Emplacement de jetons, ok. Oh, très bien, ça marche. Et on a le tournevis juste ici. Exactement ce qu'il me faut. Pourquoi il y a Freddy juste ici? D'accord. Une flaque d'eau ici. Là, on peut se cacher. À mon avis, Spring Bonnie va arriver. Hein. C'est comme ça. Sauve l'enfant coincé. On y va donc. J'arrive, l'enfant. J'arrive. Oh merde, je suis tombé. Tournevis. Oh putain. Ça devait être très serré là-dedans pour qu'il fasse cette taille-là. Pfiou, merci, j'ai cru que j'allais rester bloqué là pour toujours. Un instant, je parlais à mon ami et puis... Oh, on dirait lui, il est peut-être en danger. Viens, on peut le trouver ensemble. Je sais pas pourquoi je le sens pas. Pour moi, c'est pas lui. Peu importe, sortons de là. Attends, je cherche mon papa. Tu n'aurais pas vu un homme grand avec un haut bleu par hasard?
Tu veux dire comme un adulte? Non, je l'ai pas vu. Écoute, mec, j'aimerais pouvoir t'aider, mais... Oh putain, vite! Oh non, il est sur moi! Oh, vite, faut que j'aille me cacher là-bas. Écrase les araignées. Oh mon dieu. Oh putain. C'est plusieurs touches, c'est d'autres touches en plus maintenant. Oh là là. Oh mais on dirait qu'il parle maintenant. Je m'attendais pas à ça. Dis-moi qu'il n'est plus là. Pourquoi j'ai l'impression qu'il arrive? Oh non, il a ouvert une porte. Go, 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 faut que j'aille. Cours, cavale. Ça fait masse bruit. Non, c'est bon, stop. À tout moment, en fait, il était juste là. Ok, let's go. Non. Attends, mais échappe-toi, mais je veux pas. Là, ça devrait s'ouvrir maintenant. Ok? Peut-être que c'est ça qu'il faut que je fasse. Ah non, c'est une cachette. Ah non, pas du tout. D'accord. Sauf que là, du coup, il est pas loin. Il est juste à côté même. Oh mon dieu. Mon dieu, je sais pas où aller. J'imagine qu'il faut que j'aille là. La porte est verrouillée. Tu te fous de ma gueule. Oh! Imagine, il m'entendait. Ah mais oui, je suis con. Pour m'échapper, il faut que j'aille à la piscine à balles. J'avais complètement oublié la piscine à balles, en fait. Ok. Bon, bah, let's go. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour chercher papa, mais je dois d'abord trouver un meilleur plan. Je suis désolé, papa. Reste en sécurité en attendant mon retour. Rentre chez toi. Ça marche. Bon, bah, du coup, c'est parti, hein. La maison d'Oswald, jour 2. Parfait. On a passé la première nuit, les gars. Wow. Qu'est-ce qui se passe? What? Qu'est-ce que c'est? C'était qu'un rêve. Ok, c'était un cauchemar. Ok. Je me dis que je devrais commencer ma journée. Coucou le chat. Oh, tu peux caresser le chat, d'accord. Prends le petit déjeuner. Mon nouveau sixième s'est levé. Hein? C'est le premier jour de l'école. Tu es encore endormi, jeune homme? Je n'espère pas. J'ai eu un rêve étrange à propos de papa. Ne t'inquiète pas, papa va bien. Il t'attend dans la salle à manger. Quoi? Mais c'est Spring Trap. Enfin, c'est Spring Bonnie. Bah forcément, bien sûr. Oh, je vais peut-être sauter le petit déjeuner aujourd'hui. Mais ton papa voulait manger avec toi ce matin. Peut-être un autre matin. Eh bien, n'oublie pas ton déjeuner pour ne pas mourir de faim. Prends le sac à déjeuner. Ça va, mec? Il est... Ouais, d'accord. Terrifiant. Ok, voilà. Rends-toi à l'école. Ça marche. T'inquiète, papa. Je vais à l'école, tranquille. Allez, let's go. Je vais à l'école. Je me casse. Maman, bonne chance. Hein. Complètement cinglée, maman. C'est bizarre qu'elle le voie pas. Let's go, l'école. Ok. J'en ai que 4 dans la classe. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce truc. J'aimerais juste pouvoir m'enfuir. Qui pourrait déjeuner à un moment pareil? Complice espiègle. Tu es sûr que c'est une bonne idée, Jet? Tu peux partir si tu es aussi trouillard. Hein? Oh les cons. Eh, hey, qui a fait ça? Cours! Oh, les trous du cul. Je me demande si ce gamin en a d'autres. Vérifie ce qui... Ok. Bon, tout le monde, retourne en classe. Oh, une pile, j'espère que ça... J'ai volé la pile à la prof. Installez-vous, les enfants, n'oubliez pas que la cloche sonne pour que vous soyez... libre. Trouve l'enfant au pétard. Ah, mais j'ai pas vu, c'était qui moi?
C'est toi là, je crois. Hé, tu es l'enfant au plus tard. Je m'appelle Jet, mais j'aime bien ce nom aussi. Est-ce que tu en as d'autres que je peux t'emprunter? D'abord, petit, tu ne peux pas simplement emprunter un pétard, ils sont un peu à usage unique. D'accord, alors tu peux m'en donner un? Tu as la moindre idée du prix de ces trucs? Tu sais quoi, je traîne souvent à la bibliothèque après l'école. Apporte-moi quelque chose que je ne peux pas obtenir ailleurs, et peut-être qu'on fera un marché. Rentre chez toi. Ok. Je vais lui apporter le costume de Spring Bonnie. Oh, elle a des yeux, elle. Et si tu lisais un livre pour ne pas être un naze? Ah! Allez les gars, arrêtons de perdre du temps avec cet intello. Oh. Vas-y, c'est bon, on s'en tape, rentre chez toi. Ne les écoute pas, Dylan est juste jaloux que tu sais lire. Oh, merci, les brutes de mon ancienne école s'en prenaient à moi parce que je lisais. Eh bien, ils doivent être assez stupides. Je lis beaucoup de science-fiction, qu'est-ce que tu lis? De la mythologie grecque. Et je comptais m'y intéresser. En vrai, ce n'est pas très différent de la science-fiction. C'est surtout sur le fait d'être courageux face à des situations impossibles. Eh bien, si jamais tu veux lire quelque chose avec des images, je serais ravi de te prêter un comic. Oh, si tu aimes l'art, ce truc pourrait peut-être te servir. J'ai aidé mon papy à ranger de la camelote hier et j'ai trouvé son vieux carnet de croquis. Il a quelques bons dessins là-dedans. Ouvrir l'inventaire. Ouvrir le carnet de croquis. Oh putain! Ok. Ah ouais, d'accord. Ne pas manger près de Chica. Trop bien. C'est trop bien. Non. Oh, qu'est-ce que c'est? Ok. Putain. Stylé? Impossible. Il était une sorte de technicien, donc ce ne sont juste des gribouillages et des notes sur son ancien travail. Mais il ne voulait pas en parler. J'étais censé le jeter, mais je voulais pas gaspiller du papier, tu vois. Ah ouais. Je m'appelle Gabriel au passage. Je m'appelle Oswald. C'est un carnet intéressant, Gabriel, merci. Allez, let's go. Rentre chez toi, du coup. La maison d'Oswald. Let's go. Papa, maman. Enfin, maman surtout. Oh putain. J'aurais fait la même chose. J'aurais fait la même chose. Bon, il est temps de retourner à Jeff. Je crois que j'ai un plan maintenant. Je dois d'abord sortir d'ici. Trouver un moyen de t'échapper. Je peux pas réutiliser la corde? Ah, je crois pas. Oh, le bâtard, il a barricadé. Évidemment, c'est condamné. Je ne sais pas comment, à quoi je m'attendais. Ah, le bâtard. Attends, merde. Non, 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 faut que je prenne l'échelle. Bah ouais, du coup, faut que je prenne l'échelle maintenant. Oh, putain, il m'a fait peur. Oh! Vite. Oh putain, il est là! Oh non, j'ai activé la peluche en même temps. Va y avoir les araignées? Ah oh, putain, les araignées. Oh la vache! Oh, il est juste à côté, hein. Puis maman, elle le trouve normal. Elle est ouf, elle. Complètement tarée, hein. Comment il descend? Ah, il y a vraiment une animation quand il descend et tout, c'est stylé. Il part. Je me dépêche. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Mon dieu. Ah, il déconne zéro là. Il déconne zéro. Non, me dis pas, j'ai fait bugger les chaînes. Non, attendez, hop là. Voilà. Oh, je me dépêche. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que je me dépêche. Il arrive en plus. Vite, 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 vite. Parfait, ok, let's go, je me casse. Je me barre de là et je pars vite à la pizzeria. Prends-toi la piscine à boules, let's go. Salut Jeff, comment ça va? Eh hey, gamin, évite les ennuis. Ça ne me dérange pas que tu traînes tard. Évite juste de te blesser ou de commencer à feu. Les ennuis judiciaires, c'est une pagaille et fatigant. Et je suis toujours fatigué, donc c'est pas pour rien. Ok, ouais. T'inquiète, je comprends. Ça prend une éternité d'avoir ma pizza, je jure. Plus j'attends, plus j'entends les rats dans le mur. Genre, et si la cuisine avait des rats? Et encore pire, et si les rats font la cuisine? Ne me dis pas de me calmer, tu sais que je suis musophobe. Il a l'air distrait et parano. Ouais, carrément. En même temps, Jeff... Allez, let's go. Into the pit. La voix que j'ai entendue avant, je me demande d'où elle venait. Bah, moi aussi. Oh, parfait, les lumières sont éteintes, je dois trouver comment les rallumer. Bah, je sais, c'est la boîte de fusible. C'était ça. Parfait. Il vient de bouger, hein. Mais je rêve où j'ai entendu le Bonnie, là. Le Spring Bonnie. Oh putain, le bâtard! Va te cacher, va te cacher, va te cacher. Je savais que je l'entendais.
Oh mon dieu. Ok, les araignées. Waouh. Et il déconne zéro là. Il blague pas. Il blague pas. Et il rigole en plus. Dis-moi qu'il est parti. C'est bon, il est parti. J'ai l'impression qu'il se rapproche encore. Oh putain, il est pas loin. Oh, what? Ok. Oh non. Il est au verre. Il arrive. Hein. Trouve l'enfant. Ok. Je vais par là. Je me casse du coup de l'autre côté. Ok. Je pense que c'est pas loin. Dis-moi que c'est ouvert. Putain, fais chier. D'où viennent ces pleurs? J'ai un rat. Employees only. Employees only. Oh putain, il est là. Oh, Chica! Cours, oh putain. Cours. Moi, un sac de déjeuner. Ah, je l'ai toujours pas bouffé en fait, ça. Oh putain. Oh! Elle va le bouffer. Ok. Est-ce que cette chose a un estomac? Comment mon déjeuner sentait si loin? Il y a certainement un enfant dans la cuisine, mais je ne peux pas les atteindre tant que je n'ai pas ramené cette chose dans son nid étrange. S'il veut de la nourriture, je peux peut-être lui procurer une part de pizza de Jeff. Donc là, j'ai vraiment, vraiment besoin donc, de passer à la cuisine. Ça te tombe mal parce que la cuisine est justement de l'autre côté là. Pourquoi il fait tout noir comme ça? Oh putain, je viens d'emprisonner. Ok, d'accord. Ok, je viens de capter du coup. Je peux y aller du coup en fait ou pas? Je dois d'abord attirer ce truc dehors. Oh, attends, ça veut dire qu'il faut que je retourne. Snap, comment ça snap? What the fuck? Ok, je me casse, je veux parler à Jeff. Hey Jeff, est-ce que tu as des parts de pizza supplémentaires à me donner? Désolé gamin, tu sais que les temps ont été durs en ce moment. Si tu veux quelque chose, tu dois l'acheter. Ok, d'accord. Trouver un moyen de créer une distraction. Que puis-je faire maintenant? Je peux rien acheter. Si seulement je pouvais emprunter une part dans la cuisine. Mais c'est là la cuisine. Pas de contrôle. Ok. Attends. Ah mais non, ça c'est la salle des fêtes. Ça c'est le hall des fêtes, c'est là où on était tout à l'heure. C'est ici la salle, la cuisine. Oh putain, merde. Trouver un moyen de créer une distraction. Est-ce qu'avec le monsieur là? Regarde, recharge gratuite uniquement pour l'eau. J'aimerais que ce soit du soda à l'orange. Comment ça à l'orange? What the fuck? Putain, on se balade, mais vraiment, tous les jeux avant sont encore là. On dirait qu'ils ont été salement amochés au fil des années. Aucun d'eux ne semble jouable avec toutes leurs pièces manquantes. Hé hey! Attends, je viens de capter. Ok, je peux pas utiliser ça ici. Mais j'ai un emplacement de jetons. Ah, bah non, d'accord. Okay. Pistolet à électrons. Des rats. Mais je pense que vous trouvez des rats. je sais pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Eh hey, mais attendez les mecs, je viens d'y penser mais... Ah, what the fuck, c'est quoi ça? D'accord, ok. Je viens d'y penser les mecs, mais en fait, en soi, si je prenais, par exemple... Attendez ça, hop, j'enlève le courant. Voilà, très bien, voilà. Et si j'activais ça, hein? Ok, donc moi là, faut vraiment que je me casse là. C'est stylé. Oh putain. Ok, maintenant je me casse, il faut que j'aille à employee only. Hein? J'entends quelqu'un par là, mais la porte ne se... Oh putain, ah non, c'est là. C'est là, merde. Oh bah parfait. Super Scott, ça c'est un gros rat. Tu vas effrayer tout le monde, c'est sûr. Oh, faut que je me cache. Faut que je me cache, ok. Eh ouais, parce qu'on avait posé le piège à rat. Oh mon dieu. Quoi? Pourquoi est-ce qu'il va pas du coup tout là-bas? M'en tape s'il m'entend, je m'en tape. Voilà, faut juste que je cours. Désormais maintenant, on va aller voir la dame. Parce qu'elle nous parlait de rats tout à l'heure. Eh ouais, elle nous parlait de rats. Donc du coup, on va aller la voir. On va lui donner donc les rats. Cela devrait suffire à distraire Jeff.
Ok, un nouveau rat en ville, hein. Tu es au mauvais endroit, mon pote. Y'a la souris. Jeff, fais gaffe, y'a un rat, let's go. La cuisine devrait être libre maintenant, je dois juste y entrer, prendre une pizza et sortir avant le retour de Jeff. Let's go vite. Prendre une pizza dans la cuisine. Merde, c'est où? C'est là. Let's go, ici. Une pile, oh bah c'est une merde, hein. Tiens, au passage. Let's go. Et maintenant, il faut très vite que j'y aille. Faut que je retourne dans le passé et il faut que je fasse sortir l'oiseau. C'est-à-dire Chica, donc. Comment est-ce que je pourrais faire pour attirer Chica? Faudrait peut-être donc que je retourne là. Putain, mais il est là, ce ouf! Il va revenir par derrière. Attends, mais non, il est retourné dans... Oh putain! Oh mon dieu. J'y vais. Mais comment est-ce que je fais du coup pour l'attirer? Par de pizza. Ce n'est pas vraiment comme j'imaginais se nourrir un poulet. Faut que je me cache, non? Non, même pas, elle en a rien à foutre de moi. Bon, bah, let's go, vite. Flippante, hein, Chica. J'ai l'impression que ce four pourrait m'avaler en entier. Ok, je m'en tape. Oh! Oh, let's go! Oz! C'est toi pour l'instant, allons vers la sortie, vite. C'est un ouf de passer par là en vrai. Attendez, il y a le téléphone qui sonne. Bonjour. Salut. Je sais que tu t'en sors à merveille. Et que les animatroniques ne sont pas vraiment sous ta responsabilité. Mais je dois te parler de quelque chose au cas où, d'accord? Les personnes aiment se déplacer la nuit. Quand personne n'est là. Ils aiment rôder et être en eux-mêmes. Ce n'est pas un problème pour ta sécurité. Juste une chose. Essaie de ne pas faire repérer quand tu te déplaces. Sinon, tu pourrais être dans la panade. J'avais capté, merci beaucoup. J'ai eu un succès carrément pour avoir répondu au téléphone. Mais là, du coup, il y a Chica aussi qui va... Oh putain, la vache. Il faudrait que je prenne les conduits. C'est pas du tout les bons conduits, j'ai énormément seul. Où est la meilleure salle où est-ce que je pourrais aller? Il faudrait peut-être que je monte encore une fois. Donc là, en haut. Je passe là. Merde, la porte est verrouillée. Vite l'entrée! Let's go vite! Ok, tu ne viens pas? Non, je cherche mon papa, il porte une chemise bleue et les cheveux bruns. Est-ce que tu l'as vu? Non, as-tu vu Chip? Nous étions dans la salle d'arcade quand le courant a sauté. Non, je ne l'ai pas vu. Est-ce que tu penses qu'il est... Oh putain, merde! Oh, vite, casse-toi! Casse-toi, gamin! Oh putain, vite! Ok. Hein? Non, me dis pas, j'ai refait la même fin. Ou allez, que faire? Oh non, je suis trop con. Bon, c'est pas grave, parce que je crois que je peux revenir à l'endroit où ce que j'étais. Je l'espère, normalement c'est bon. Mais bon, voilà, je l'espère. Et puis du coup, dans la prochaine vidéo, les gars, on se retrouvera pour continuer cette aventure, cette nuit-là. Les gars, ça s'annonce épique, c'est une dinguerie. Cette nuit-là était vraiment épique. Sur ce les gars, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner en activant la cloche de notification pour ne pas rater aucune des prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt, très très vite pour la suite. Sur ce, c'est Zendabets, on se retrouve très bientôt. Ciao les mecs, ciao.